Audio Jungle. Maintenant, il a ses écouteurs. Ayoub, on m'entend pas. Ayoub, coucou. T'écoutes la musique? Je m'entends pas. Ah ouais, c'est ce que je me disais. Il m'entendait pas. Donc aujourd'hui, nouveau vlog. On est mardi. Ouais, on est mardi. Alors toute la matinée, là, il est 14h. On est en train de préparer à manger. Ayoub est en train de nous préparer des hamburgers. Alors j'ai passé la matinée à rattraper ma journée de vendredi, samedi, dimanche, puisque bah, pendant 3 jours j'étais pas au top de ma forme. Donc j'ai rattrapé tout ça, je suis contente. J'ouvre que ce vlog maintenant, mais c'est parti pour cette journée. Let's go. C'est parti pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Comme vous avez pu voir dans le vlog d'hier, la case numéro 2 était vide. Donc j'espère que la numéro 3 elle sera pas vide. Elle est pas vide. Oh, c'est joli. Mais bon, on n'a pas de sapin à la maison, donc bah écoutez, je sais pas du tout à qui donner ça, parce que bah personne dans la famille met un sapin en période de Noël, même si on s'offre des cadeaux, voilà. Mais on met pas de sapin, voilà, donc c'est un petit cerf, comme vous pouvez voir, qu'on peut accrocher sur un sapin de Noël. Ensuite, dans le vlog d'hier, j'ai complètement zappé de vous montrer le calendrier de la marque Tonic, pas du tout, de la marque Technique, donc j'ai pas ouvert le numéro 2. Alors, pour ce calendrier, donc comme je vous ai dit, je vais ouvrir la case numéro 2 que j'ai pas ouvert hier, je m'en suis rendu compte au montage en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh non, je l'ai déchiré! On a un deuxième rouge à lèvres. J'aime trop les rouges à lèvres rouges. Ah, j'arrive pas à sortir. Voilà. Il est tout rouge, comme vous pouvez voir. Hop. Ensuite, numéro 3. Qu'est-ce que nous avons? Ah, cool! Des fards à paupières. Oh, ça, c'est trop bien pour emporter et mettre dans son sac. Ah, c'est trop pratique, ça. C'est un format voyage, quoi. Ah, ça, j'aime bien. Ça, je vais pouvoir bah, le mettre dans ma trousse à maquillage voyage. Là, à quoi ressemblent les couleurs? Je sais pas si vous voyez correctement, mais c'est un petit peu pailleté. Donc ça, je suis contente. Et puis, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est que je suis partie à la poste parce que je devais poster du courrier. Après je suis partie à la banque. Ensuite je suis partie au Super U pour acheter un manger pour les chats. Voilà ce qui s'est passé en 3-4 mots. Donc j'ai pris des boîtes de la marque Sheba. Et c'est pas donné cette marque là. Franchement elle est quand même chère. Mais ils aiment trop. Ils aiment trop, surtout cacahuètes. Enfin ils kiffent. Donc voilà, j'avais envie de leur faire plaisir. Donc j'ai pris deux boîtes. Voilà. Et Ayoub il va me dire pourquoi il m'a t'as fait ça. En fait ce qui s'est passé c'est que ce matin quand je me suis levée pour déjeuner, j'avais envie. Et c'est pas que ce matin, c'est que depuis que j'ai arrêté le café, et ben ça me manque un petit peu. Donc je suis partie m'acheter du café, voilà. C'est qui me lance des trucs? Il est trop bête.
t'ai vu, hein. Je t'ai vu, Ayoub. T'es trop bête, tu m'as fait peur. J'étais en train de regarder au plafond, je me suis dit, mais je me suis pas garée à côté d'un arbre. J'entends des trucs qui tombent sur le plafond et je me dis, mais c'est qui me jette des trucs? Et je regarde de partout, mais c'est Ayoub, t'es trop bête. Laisse-moi finir, j'étais en train de parler, j'arrive. Bref, donc j'étais en train de dire, je suis partie en fait m'acheter du cappuccino saveur vanille. Alors peut-être pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai émis l'hypothèse en fait que c'était ça qui accentuait les douleurs que j'avais au ventre, parce que c'est très récent que je bois du café, ça fait 4 mois, enfin ça fait 3 mois, ça fait 1 mois tout pile que j'ai totalement arrêté. Mais voilà, après j'en buvais pas outrance, je buvais un verre le matin et après c'est tout. Ou peut-être j'étais amenée à en boire un deuxième dans la journée, mais c'était vraiment exceptionnellement quand je me sentais fatiguée. Mais c'est vrai que c'est super bon ce truc là et en fait ce qu'il faut savoir c'est que le café accentue les douleurs de règles, parce que ça agit en fait sur le système nerveux. À part ça, c'était tout pour mes petites courses. Là je suis en train de préparer mon cappuccino. Alors oui, je fais chauffer le lait à la casserole, parce que en fait je me suis rendu compte quand je fais ça que le cappuccino est... Il y a plus de mousse, il est plus onctueux. Oulala, oulala. Voilà, donc là je vais mettre les cuillères. Ayoub, tu veux un verre ou pas? Bébé, tu veux un verre? Oui. C'est frais. Et franchement là je vais le savourer. Est-ce que vous voulez qu'on en parle de mes chaussettes? Elles sont pas trop mignonnes. Je les trouve trop chou. Ces chaussettes, les mignons. J'aime trop. Bref, là je vais boire mon petit... Oulala, je suis là. Je vais boire mon petit cappuccino. Tout en bossant aujourd'hui, voici la tenue du jour. Donc j'ai un legging avec ce pull qui vient de chez H&M. Non, pas de chez H&M, attendez, j'ai oublié, de CA, voilà. Et j'avais mis un gros gilet quand je suis sortie, j'avais mis mes Uggs, voilà. Donc je vais aller me mettre au boulot et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Là ça va être mission étendage de linge, parce que comme je vous ai dit, ce week-end c'était pas la grande forme, donc il y a plein de choses que j'ai pas pu faire, notamment le linge. Donc là j'ai refait tourner une machine de tout ce qui est chemise blanche d'Ayoub, donc je vais faire ça, à la préparer à manger. Vas-y, essaie de te lever comme je t'ai dit. Non mais c'est trop simple. Vas-y. Il me dit que je vais pas réussir à me lever. Il faut qu'elle se mette sur les genoux. En fait, il faut que j'ai mes pieds comme ça. Voilà. Et il faut que je me lève, mais sans mes mains. Bah vas-y, essaye. Et je lui dis depuis tout à l'heure. Il faut que je touche rien sur les côtés. Bah oui, mais y a pas de souci. Vas-y. Ouais. Non, pas comme ça. Bah comment? Non, il faut que tu te lèves sur les pointes droites. Pas que tu... Toi t'as tapé vers l'arrière, il faut que tu te lèves droite sur les pointes. Droite direct? Ouais, droite direct. Ah, c'est ça. Mais non. Toi, Ayoub, t'as fait ça quand tu l'as fait. T'es parti en arrière et t'es remonté. Non, regarde. Vas-y. Ah, t'es une vraie gymnaste. Mon nom de naissance. C'est une blague. C'est parti pour moi pour que je fasse la vaisselle. J'ai préparé à manger et j'ai pas rangé en même temps. Et voilà comment ça finit quand je range pas en même temps.
Bref, je vais faire tout ça, j'ai préparé à manger. Vous demandez pas ce que c'est ça. C'est du papier sulfurisé, je vous explique. En fait, j'ai perdu ça. Voilà, il s'est cassé et je trouve plus le vis. Donc j'ai mis du papier sulfurisé pour que la vapeur reste à l'intérieur. Tadam! Voilà! C'est rangé, la vaisselle est faite. Le repas aussi est cuit et en fait, il y a le frère d'Ayoub qui va pas tarder à arriver. Donc, bah, c'est prêt, je pense qu'il va venir d'ici peut-être une trentaine de minutes, maximum 1 heure. J'aurai juste à faire réchauffer avant qu'il arrive et puis voilà. Bon alors, je vous prends pour vous montrer mon colis de chez HM. J'ai fait une commande, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et donc, bah, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand même, il a été expédié à la maison le 27 novembre et je l'ouvre que maintenant. Ah là là. Franchement, ces derniers jours, j'étais pas opérationnelle. Alors, il est trop joli. J'ai pris ce pull. Oh là là, qu'est-ce qu'il est doux! Je vais essayer de vous trouver les liens que je vous mettrai en barre d'infos. Ah, il n'y a pas les prix. Je me souviens plus à combien je les ai pris. Franchement, je me rappelle plus du tout. Regardez comme il est beau. Oh là là, je ne sais pas si vous voyez la matière. Oh là là, j'aime trop. Ayoub, viens voir. Regarde comme il est doux. Ah ouais, toi t'aimes trop ça en plus toi. Ah j'aime trop. De ouf. Ah ouais, il est grave doux. Mais il est pas petit là au niveau de... Bah... T'aimes pas oublier la moitié? Non, non, celui-là ça va encore, il est pas crop top. Hein. Ah, Mais c'est vrai qu'il est un petit peu court. Enfin moi j'aime bien les pulls qui sont assez longs. Mais non, ça va. Crop top à Youp, c'est là genre. Hein? C'est là crop top. Ah, c'est crop top? Non, non, ça va, franchement, ça va. Je l'ai vu sur la mannequin avant de le commander. Hein. Ouais. Oh là là, j'aime trop. Il est hyper beau. Bref, on va pas rester 3 heures sur un pull. Ensuite, j'ai pris donc un autre pull. Oh là là, du crocotin. Mais c'est dommage, je me souviens plus du tout des prix. Bon, écoutez. Donc j'ai pris ce pull-là, il ressemble beaucoup à celui que j'ai acheté à Kiabi, le kaki. Voilà, comment il est. Il est grave stylé. J'aime trop. Donc voilà pour le mini haul express. Donc moi, écoutez les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser pour ce soir parce que bah écoutez là le frère d'Ayou va pas tarder à arriver. J'aimerais bien commencer un petit peu le montage avant qu'il arrive. Comme ça, bah, après on passera un petit moment tous ensemble. Et puis voilà, j'ai trop hâte, je vais recevoir un colis normalement demain. D'ailleurs, demain Ayoub, le colis, je le reçois. Faudra que tu passes à la boîte postale. Ça ferme à 16 h, hein. T'auras le temps ou pas? Bon bah on verra, tu me diras. Trop hâte de vous le montrer. Et je trouve ça hyper intéressant. En fait, fait des masques naturels maison. Enfin, c'est un truc de ouf. Franchement, quand on m'a contacté pour ça, je me suis dit, oh c'est génial. Genre j'ai regardé la vidéo et tout, je me suis dit, ah ouais, ça je vais kiffer. Et bon, on verra après si vous, ça vous intéressera. Mais je vous montrerai tout ça, je pense, dans un vlog. Voilà. Bref, je vais vous laisser pour ce soir. J'espère vraiment que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce, le petit commentaire. Et puis, bah, nous, on se retrouve très très vite, normalement demain, si tout se passe bien. Et puis voilà. Plein de gros bisous et à très vite dans un nouveau vlog. Ciao, ciao!